Bien le bonjour. Allez, tu viens avec nous, on t'embarque dans les rues de Simancas. Donc, il suffit de traverser ce pont pour arriver directement au pied de Simancas. Donc, rien que de voir qu'il y avait 47 mètres de dénivelé sur seulement 1 km 2, ça m'a bien calmée. C'est sûr que j'ai préféré y aller à pied. Non, non, je n'avais pas du tout envie de sauter dans l'eau et de traverser à la nage. Je ne faisais que regarder toutes les hirondelles qui voletaient au-dessus de l'eau. C'était super joli. Voilà le genre de côte. Donc pour ceux qui sont doués à vélo, bah bravo. Moi je me sentais pas. Hein. Et d'ailleurs, il y avait des gens qui ont tenté de grimper et qui étaient bien bien en difficulté, qui sont repartis dans le sens inverse. Donc je préfère qu'on y soit allé à pied tranquillement pour pouvoir apprécier chaque petit coin, recoin de cette ville qui est assez sympa. En dehors des grandes, grandes côtes. Alors, c'est très verdoyant, c'est vraiment très joli. En tout cas, quand ils se faisaient attaquer, ils n'avaient pas fait par hasard, ils s'étaient mis sur les hauteurs. Parce que j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de batailles dans cette ville, pendant très longtemps d'ailleurs. Hein. Les batailles ont été diverses et variées. Et ils ont bien fait de se mettre en hauteur pour se protéger. Regarde même ce qu'on a trouvé. Une cabine téléphonique opérationnelle encore. Parce qu'il y en a de temps en temps, mais elles ne sont pas opérationnelles. Celle-ci, elle fonctionnait. Un des restes des fortifications. Ça, c'était une des portes pour entrer dans la ville. Allez, je finalise les préparatifs et on y va. Bon, j'ai pas réussi à monter à vélo jusqu'en haut de Simancas. J'ai même pas tenté parce que j'ai vu que sur 1 km 200, il y avait 47 mètres de dénivelé. Je me suis dit, ça va être juste, juste. Attends, je te tourne. Et finalement, j'ai bien fait parce que il y avait d'autres personnes à vélo qui étaient bien, bien mal. Bon. Non, par contre, je suis contente, j'ai bien marché. Je suis montée, pas complètement en haut, mais je suis pas mal montée à pied. Et c'est bien. C'est bien, c'est du bien. Et là, ben. Reprise de la route. Oula, c'est quoi cette route bizarre là? On va pas loin du tout. Un magasin. Non, on va pas loin. On va à Castres Nuño. C'est un abonné, je me souviens pas de ton prénom, je suis désolée, qui nous a conseillé. Donc. On a regardé, ça a l'air très très bien. Attends, j'ai un stop. Je me bouge comme ça, voilà. Castronugno, 17 km. Voilà. Bon, on a suivi les conseils de cet abonné. Merci d'avoir mis ça dans les commentaires. Et on va voir où commencer. On va arriver à Poyos, petit village. J'ai traversé, j'ai pris la route de campagne.
doucement parce que la route est bien abîmée. Il y a du monde derrière, c'est pas grave. Très très sympa. Hein, j'en ai plein les yeux, il y a plein de champs de coquelicots, j'en profite. C'est magnifique. Plus on va descendre, et moins il y aura de coquelicots. Hein. Et au lieu des sapins, on va avoir les oliviers.
Waouh. Comme d'habitude, hein? Oui. Toujours la première. Allez, là, c'est pas du goudron. Là, c'est de la nature. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Allez, on y va. Tu me laisses descendre? Cassie, tu me laisses descendre? Bouge-toi, mon petit chat. Mais oui. Voilà, merci. Bon, je suis juste à côté de... Donc, c'est une aire de camping-car gratuite. Et si on joue l'électricité, c'est 5 euros par 24 heures. Donc, 5 euros par jour. Bon. Ouais, c'est fait, hein. Là, t'as pour les caissettes, la vidange, de l'eau. Et voilà. On serait que pour atteindre... l'air de camping-car, faut pas avoir peur, quoi, c'est tout. Et j'avais vu les camping-cars au loin, donc ça rassure. On est beau derrière de la maison là. Et ben, je me suis mise là. Il y a 6 places. Donc il n'y a qu'une place là libre. Ça y est, Cassie est parti. Et après, je vais aller voir là-bas. Oh, il y a des tables et des chaises. Des chaises, des bancs, il y a des tables et des bancs là-bas. Un coin table banc mis à disposition, très sympa. On a une jolie vue. Et voilà Jacotta. Ah, c'est surtout Oscar qu'on voit, hein. Ça y est. Ah mais je te prends pas. Jacotte, elle a peur que je la filme. Je la filme pas. Je filme les grands plaisirs espagnols. Donc croquetas, caseras. Ça, c'est callos et ça, c'est calamares. Calmar, pardon. Voilà. T'as tout dit en espagnol, là, ça. Miam, miam. Ouais, t'as, j'ai tout dit. Non, les croquettes. Mais tout est frais, c'est maison. Miam, miam. Alors, Jacob, tu découvres une spécialité. Comment tu trouves? Très, très bon. Un délice. Je dirais même. Je crois, hein. Quand tout est vraiment fait maison, hein, ça. Ouais. Ça va, ma Cassie? T'es bien là? Tout le monde est content, donc tout va bien. On a déplacé quand même les camping-cars, on s'est mise près des tables et bancs. On est beaucoup mieux comme ça. C'est pour ça que Cassie est très heureuse. Quoique même vers les emplacements. En fait, les emplacements au début sont faits surtout pour ceux qui veulent l'électricité. Nous, on n'en avait pas besoin. Donc, sur ce, on finit une très très belle journée. Je te dis ciao, ciao!